Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, à ceux qui suivent les vidéos régulièrement, je vous ai concocté la découverte présentation d'un jeu qui vient tout juste de sortir. En réalité, le jeu sort dans quelques minutes au moment où j'enregistre cette vidéo, mais le temps que je la publie, le jeu sera sorti. Il s'agit d'Ixion. Ixion, comme écrit juste en haut. On est en live comme d'habitude sur ma chaîne Twitch, vous êtes toujours les bienvenus. Dessus, vous aurez le lien dans la description. Et il s'agit d'un jeu quand même spectaculaire, auquel j'avais joué 1h30. Lors de sa démo au mois de mars. Là, on a la version complète, la version finale du jeu. Je l'avais un peu d'avance depuis quelques jours, mais je n'y ai pas joué. J'avais la version presse du jeu, mais je n'ai aucune affiliation avec les développeurs ou quoi. Ceci n'est pas un partenariat, je précise quand même. C'est juste, je reçois des clés presse, comme le reste de la presse et des créateurs de contenu. Nouvelle partie, c'est ce que l'on veut faire. Et vous allez voir ce que je veux dire par spectaculaire. C'est un jeu dans lequel on va gérer une station spatiale, on va voir une belle description je pense en lançant la partie. Et on est envoyé pour coloniser d'autres planètes. On est envoyé depuis la Terre pour aller coloniser d'autres planètes. Je sais pas vous mais personnellement je suis un grand fan de Battlestar Galactica. Salut Bougli, comment ça va? Bonjour Sax, Souche, ça va super et toi? Kasedo Games présente Dolos AEC, Spaceport Européen Norvège, 13 juillet 2049. Nous avons l'autorisation de Tycoon pour procéder au lancement. Bulwark Studio. Ah moi j'adore Habib, la cinématique ça me fait sourire, je trouve ça trop beau. Spectaculaire, spectaculaire. Salut Tony. Je disais que, je sais pas vous, mais personnellement, mon œuvre spatiale préférée, tu sais, des Star Wars au Star Trek, en passant par les Battlestar Galactica et compagnie, comme je vous ai dit, moi c'est Battlestar. Du coup, ce jeu, c'est Battlestar Galactica Simulator. C'est pas tout à fait le même scénario, mais on gère une arche de survivants à travers les systèmes solaires, Miss Bibi, t'arrives pile à l'heure prévue, installe-toi tranquillement. Stargate, évidemment. Évidemment, évidemment, Stargate. The Expanse. Dealer Alec. Il est là, le Tycoon. C'est... Excusez-moi, je réalisais pas. C'est notre Battlestar. VVS. Diamond Tester. Bzzz, bip, 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 VVS. Pardon. Wouh. Magnifique. Nous y revoilà. Je dis revoilà parce que comme je vous l'avais dit, j'avais testé une petite heure et demie lors de la démo. Voyons voir si les réflexes restent encore. La navette est à bord. Munchie. Salut Néo, bienvenue sur le live. Welcome on board the Tycoon, property of Dolos Aerospace Engineering Corporation. You will soon be given your assignments, but until then, please continue to wait near the docking bay. Okay. We hope you have a productive voyage, and would like to thank you for your contribution towards humanity's future. Wow, merci pour votre contribution au futur de l'humanité. The personal assistant installed on board the Tycoon.
Oh, c'est en AZERTY. Excusez-moi, la première chose que j'ai à faire, je le réalise, c'est que mes contrôles sont en AZERTY. On est où là? Confirmé. Sinon, c'est rotation de la caméra à gauche. Ça les a inversés, appliqué. Excellent. Cool. Yeah. Ouais, YouTube. Merci Seb, salut mon gars. Je suis en train d'en enregistrer une nouvelle vidéo là. J'allais dire. Je l'écoute, hein. Gaffe au silon, Dragor. C'en est un, là, Eden. Wow. On doit aller coloniser une planète et l'exploiter à fond, quoi. D'accord. Et nous sommes dans une arche, regardez, géante. Waouh, waouh, YouTube, j'allais dire. Si jamais vous aimez la vidéo, surtout si vous voulez me soutenir, en fait, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, beaucoup d'entre vous ne le sont pas. Mettez un like à la vidéo, ça prend 2 secondes si vous en avez envie, si vous êtes chaud, ça m'aide beaucoup. Surtout si vous êtes dans les 20 000, 30 000 premiers qui regardaient la vidéo, un petit commentaire, c'est ce qui définit, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, le succès ou pas d'une vidéo, donc ouais. Les likes, les commentaires, si vous êtes chaud. On vous en fera d'autres des vidéos de ce jeu parce que je pense qu'une seule ne suffira pas. Je le vois déjà. Comme on a fait sur Bannerlord, comme on a fait sur Bannerlord, comme on a fait sur Echo. Ah, une petite série va s'imposer pour le Tycoon là. Je le sens. Je le sens, je le sens, je le sens. Et ouais, au début, nous n'avons qu'une petite partie de l'arche. Par la suite, on débloquera tout le reste. Excellent. Transmission suivante. J'ai insisté pour vous présenter personnellement vos tâches. Giovanni Battista, je suis le responsable de la cryogénie et membre du conseil. Il va nous apprendre les bases. La base d'une gestion de colonies, stockage, distribution, matière principale, matière secondaire. Ne prends pas le melon, il me dit. Ils veulent que je leur ramène leur joujou. Et il dit, ouais, on n'est pas obligé de suivre les moindres directives ou lois parce que justement les lois n'existent pas dans l'espace. Ok Giovanni. Construction de bâtiments. Le secteur a besoin d'un atelier, vous pouvez en construire un gratuitement maintenant. Allons-y ici. Comment puis-je faire la rotation des bâtiments? Là ça commence à être un peu fort la musique, non? On s'en jaillait bien au début, mais maintenant, il serait temps de tryhard légèrement plus le jeu. Parfait, j'ai baissé un tout petit peu le son. Et cet atelier, je sais qu'on a une touche pour la rotation. C'est R, on découvre ensemble hein. Je voulais faire la découverte et la présentation en même temps, j'ai pas pris le temps de jouer avant. Et c'était il y a plusieurs mois que j'ai joué à peine une heure au jeu, donc je me souviens pas vraiment. Les routes, j'imagine qu'on en aura besoin ici. Excellent. On va relier un peu ce qui existe déjà. Quoique, attends. Qu'est-ce qui sera recyclable? Ouais, réserve de ressources. Non, c'est... ouais, à suivre. On va suivre le tutoriel. Les vues ici. L'extérieur. Oh, il y a même la carte du système solaire. Jure. Ici, là. Oh, excellent. Excellent, excellent, excellent. Notre système solaire. Regardez-moi ça. C'est encore légèrement fort. Ok. Voilà. Non, c'est pas vraiment comme Factorio. Certains le comparent plus à Frostpunk, par exemple. Parce que tu gères une colonie dans une arche spatiale à travers le système solaire. Et on va vers un autre système solaire, n'est-ce pas, hein? Excellent. Sonde, flotte ici, vaisseau minier, vaisseau cargo, scanner de la sonde. Ok. Non, j'avoue que c'est la musique, excusez-moi, c'est la musique. C'est parce que ça m'a fait commencer sur les chapeaux de roue, mais maintenant, il faut trahir. Je l'ai encore plus baissé, ouais. Voilà, voilà. Donc, quelle est la suite? Construisez un entrepôt. D'accord. Petit entrepôt.
On va le placer là. Non, je préfère garder une route qui va monter en verticale. Ici, là, par exemple. Perpendiculaire à celle déjà existante. Excellent. Ensuite, ça nous dit paramétrer l'entrepôt pour recevoir de l'alliage. Certes, c'est ça. Excellent. Il va donc recevoir l'alliage de ses petites réserves de ressources. C'est ça. Je mets des routes, mais ce n'est pas indispensable pour l'instant, sachant que c'est juste des réserves de ressources qui sont déposées ici. Ce ne sont pas des bâtiments opérationnels ou utiles. Il va falloir les récolter. Cliquez sur l'icône d'alliage située au-dessus d'une réserve pour obtenir les ressources. Voilà. Là, on récolte l'alliage de ces tas de ressources. Le niveau de zoom est cool quand même. Et le niveau de dézoom, c'est ça qui est encore plus cool. Oui, monsieur. Excellent. Je vois qu'on aura un arbre technologique ici. Décret Data Listening System, gestionnaire de ressources, gestionnaire de la population. Excellent. Les différents secteurs du vaisseau, on va faire le transperce neige. Ça va être différentes classes. Il y en a, ils vont manger du caviar. Il y en a, ils vont manger du chronol. Une connexion avec la responsable de données de la Dolos, ok. Administrator. Ah, c'est elle. Mr. Dolos has made it abundantly clear when it comes to security. Given the importance of the tycoon, we must have full control over what is happening inside the station. Ils doivent tout contrôler à l'intérieur. Dolos is lead data scientist and member of the Mardic Council. My department have just completed final synchronization between Eden and our data treatment tool, the DLS. The DLS, or Data Listening System, is capable of scanning, recording, and parsing exchanges of any kind. The DLS programming that is a part of Eden will filter all data collected and bring to your attention only the most relevant information. Je suis choqué, on dirait TikTok. Ça écoute tout ce que les gens font à bord de la station et ça ramène toutes les informations, toutes les conversations et tout. Damn. It will permit you to give direct orders without having to go through additional unnecessary paperwork. Le texte est en français, pas les voix. Il faut lire ici. As is often the case with tools produced by my department, I think you'll find that once you start using the DLS, you'll never be able to do that. Vous ne pourrez plus vous en passer. Remember that all of your actions and choices are being recorded by Eden. We are not affiliated with any national or even international organization. The only people that you are answerable to are those of us who sit on the Mardic Council, who represent the collective interests and ambitions of the company. Yes, sir. What's the request? Ça, c'est les ressources. Ça nous en dit un petit peu plus. Fer, carbone, silice, hydrogène, glace et déchets. Peut-être convertis en eau, en énergie, en composants électroniques, en polymères et en alliage. Stockage. Réserve de ressources. Ainsi que les transports. Excellent. Il faudrait... Cooking Papa, résolver l'événement au bâtiment atelier. What you mean? Au bâtiment atelier du secteur 1. Ça doit être celui-là, j'imagine. Il faut cliquer sur l'événement ici. Ah, ça me fait penser aux événements sur Anno 1800. Administrateur, nos membres d'équipage ne peuvent actuellement pas accéder au stock de nourriture. Les protocoles de Nyokond préconisent la construction d'un réfectoire afin de distribuer les repas. Ok. Ils te donnent des quêtes. Et ça fait partie du tutoriel, ça a du sens. Donc, sûrement nourriture, réfectoire. On va le placer proche de l'entrepôt, juste en face. Cool. Et il faudrait récolter les ressources. Ça, ça récolte. Ça aussi. Je vais désigner toutes les zones comme à récolter. C'est sûr que l'entrepôt va être surchargé. Il est limité à 100 unités d'alliage. Mais on va les utiliser au fur et à mesure en construisant tous les bâtiments. Ceci étant dit, les zones de ressources doivent être connectées à une route pour être récoltées. Donc, c'était pas perdu. Au début, là, quand j'ai mis les routes, c'était pas perdu. Ça doit y être connecté. Sinon, mes machines, mes petits robots ne peuvent pas s'y rendre. Ok. On a déjà de la récolte d'une tonne d'alliage autour, là. Puis, nous devons avoir une fonctionnalité d'avance rapide sur 2 et sur 3. Excellent. Parfait, le réfectoire est construit. Maintenant, ils veulent un deuxième entrepôt. Il n'y a pas de souci. Dans maintenance, non, dans espace, I guess. Non, ça c'est baie d'amarrage. Usine, population, quartier d'équipage, infirmerie, j'en profite pour garder tous les bâtiments. Réfectoire, qu'est-ce donc ici? Ça c'est gestionnaire de la population. C'est dans maintenance, ça c'est l'atelier encore. Parfait. Parfait. Est-ce qu'on ne le mettrait pas un peu plus loin celui-là?
juste histoire d'avoir différents entrepôts. Après, on peut les spécialiser. On peut faire des entrepôts dédiés à des ressources précises. Comme ça, c'est mieux organiser notre logistique. Par exemple, si on a des bâtiments qui utilisent ou qui extraient une certaine ressource, et bien qu'on y mette un atelier à côté qui s'en occupe exclusivement. Cool, on peut se mettre en avance rapide. T'as vu, en avance rapide ici, on voit plus l'orbite. C'est quoi qu'on voit là-bas? Oups, c'est ici. Vue interne de Tycoon. Régler le nouvel entrepôt pour qu'il reçoive de la nourriture. Certes. Là. Ok. Une autre présentation d'un membre du conseil. Henri. Je l'avais oublié lui, mais je m'en rappelle. Ah, c'est un satellite. Writer, philosopher, lobbyist. But most of all, member of the Marduk Council. I have taken the liberty of personally arranging an exchange out of courtesy with the Ushanabi, a ship in high orbit belonging to one of our commercial allies, the Ashtangites. Even so, they are a small organization. The Ashtangites are important partners who share the same pragmatic, moralistic, and spiritual outlook as we do. The Ushanabi will provide us with a source of food while carrying out the Tycoon's initial testing. By making it the first exclusive trade partner of the Tycoon, we will demonstrate to our long-term allies that Dolos wishes for them to share in our successes. Please assign a cargo ship so that we can check the trade routines. Administrator, trust in genetic kinetics. J'adore l'accent. Space will reveal the pattern. Fin de la transmission. Ok. Ça n'a pas chauffé ça encore. Ok. Cool. Cliquez sur l'icône de la nourriture située au-dessus de la réserve pour obtenir ses ressources. L'icône de nourriture. C'est pas celle-là. Une réserve de nourriture. Où... Donc c'est pas celle-là. Aucun entrepôt connecté ici. Construisez le vaisseau cargo dans la baie d'amarrage. Construisez le vaisseau scientifique. Donc, cliquez sur l'icône de nourriture située au-dessus de la réserve pour obtenir ses ressources. Y a-t-il une réserve de nourriture quelque part ici? Tout ça, c'est des réserves d'alliage. Celle-là, c'est une réserve de nourriture. Excellent. Y en a-t-il d'autres? Je ne suis pas sûr, mais on va connecter une route ici. Ça va être utile pour les deux. Et on va ramasser celle-là. Merci Blue, merci, 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 salut mon gars. Incroyable le Maroc, incroyable. Construisez un vaisseau cargo dans la baie d'amarrage. Construisez un vaisseau scientifique aussi, ça doit être dans l'espace. Baie d'amarrage, mais j'en ai déjà une, donc il faudrait construire un de chaque. Ça c'est un vaisseau cargo. Le bâtiment n'est pas connecté à un entrepôt actif qui nécessite de l'alliage en plus, on en a une tonne, c'est parfait. Hop, voilà, là il va l'être. Et en deuxième, on veut un vaisseau scientifique. Voilà. Il y a les employés en plus qui vont venir s'en occuper. Il faut juste attendre que nos robots constructeurs fassent le travail. Parfait. Là, il y a quelqu'un sur la construction du vaisseau cargo. Et personne sur celle du vaisseau scientifique pour l'instant, c'est pas grave. Parfait. Construisez le vaisseau cargo, c'est en cours. L'icône de nourriture, est-ce qu'on y a accès? Oui, monsieur. Et là, maintenant, regardez. L'extraction de la nourriture est en cours. C'est une bonne chose que le jeu soit traduit. Hein. Comme ça, c'est plus explicite. J'adore une traduction en français. Pour tous mes francophones, pour tous les gens qui parlent pas forcément anglais et tout, c'est toujours pratique. Honnêtement, là, j'avais pas remarqué les marquages ici. Là, regardez, Tycoon. Mais ouais, je disais... Il y en a beaucoup des fois quand je présente des jeux exclusivement en anglais qui me disent c'est nul, j'aurais joué au jeu, mais il y a tellement de textes et c'est seulement en anglais, je parle pas et c'est tout à fait compréhensible quoi. On manque de place, évidemment on a un surplus d'alliage. Ah, toi t'es beau Nuki, merci Blue pour les 6 mois d'abonnement, bon retour parmi nous. Félicitations à mes frères marocains, quelle victoire incroyable là. À mes frères et sœurs marocains, légendaires.
Je suis un grand footix, hein, je regarde pas trop le foot et tout. Mais j'arrive à suivre quand même l'événement historique que c'est. Réfectoire, c'est bon. Produisez 100 repas pour nourrir la population via le réfectoire, c'est en cours. Pourquoi ça ne les comptabilise pas là par contre? Parce que nous sommes en train d'en produire. Je me demande si ça va juste comptabiliser 100 d'un coup. Pareil pour mes vaisseaux, ils ont besoin d'une ressource quelconque que je n'ai pas. Oui, quelle est donc cette ressource? L'engrenage, tu sais, ici. C'est du polymère. C'est produit à ces usines-là, d'accord. Ces usines, I guess. Laboratoire de recherche. Ok. Je vais pas un peu vite pour le jeu? Ou alors, il y a des parties qui me manquent dans le tutoriel. Je ne suis pas sûr parce que... Ou alors non, il faut les ramasser. Parce que je me dis, des polymères, j'en ai pas. Mais il y en a ici, regardez, c'est ça qu'il faut que je ramasse. J'ai trouvé, c'est bon. Ça s'explique. Je me disais, hein, je suis en train de construire quelque chose que le jeu ne m'a pas demandé de construire. Et il l'aurait fait, me semble. Mais regardez, c'est ici. Ce petit bâtiment a les ressources qu'il me faut. Un entrepôt qui a de la place pour du polymère, n'est-ce pas? Mais alors... pas composant électronique, polymère, voilà. Et là, on peut le récolter. Let's go! C'est ça qu'il me fallait. Loupio, très bonne question. Le jeu est sorti pendant que je commençais le tournage de cette vidéo. Combien coûte-t-il? Voyons voir. 35$ chez moi, ça doit être quoi? 30€ chez vous? 28€ peut-être? Dites-moi. Les soldats à moins 10%. Excellent, c'est les ressources qu'il nous fallait. J'étais confus pourquoi la construction de nos vaisseaux ne se faisait pas. Mais c'est parce qu'il y a du polymère, mais il y a aussi ce... Pardon, il y avait de l'alliage, mais il y a aussi du polymère. Et il y a aussi de la nourriture qu'on a ramassée. Excellent. Sinon, pour la production de nourriture, 100 de nourriture pour la population via le réfectoire. Nous en produisons, mais ça ne le comptabilise pas. Je me demande... Ah non, c'est bon, ça vient de le comptabiliser d'un coup. J'allais dire, je me demande si c'est un bug, s'il va perdurer ou quoi, mais non, c'est bon. Je pense que c'est selon un certain cycle. Probablement. Il doit y avoir des cycles ici en bas à droite, ouais, on les voit comptabilisés. C'est peut-être au cycle que ça se refresh, ouais. Tout s'explique, y'a rien. Je suis certain qu'à la fin de ce cycle, ça va refresh, attention. Est-ce que c'est le cas? Pas spécialement, mais peut-être au bout d'un certain temps, en tout cas, on a vu que ça refresh déjà. Le vaisseau est prêt ici. Excellent. Le deuxième aussi. Regardez, il est en train d'être fini. Non, il est en cours de construction, j'ai rien dit. Le vaisseau scientifique, ouais. Depuis la fenêtre de gestion de la flotte, vaisseau cargo pour qu'il récupère de la nourriture. Ok. Le menu de gestion de la flotte, je l'avais vu ici. Voilà. Et on veut qu'il ramasse des ressources. Le vaisseau cargo. Est-ce que je dis toutes les ressources? J'imagine que oui. C'est quoi ça donc? Sûrement des types de survivants. Genre soit des habitants. Et peut-être des personnages spéciaux. Je suis pas encore sûr. On découvrira avec le temps de toute façon. Et là, il faut juste finir de construire le vaisseau scientifique. Vous imaginez, on n'a même pas encore quitté l'orbite de la Terre. Ouais, salut Adridri. J'espère que t'as kiffé la dernière vidéo YouTube. Je suis justement en train d'enregistrer celle d'après. Pour la découverte. D'un tout nouveau jeu. Résolver l'événement sur la lune. Excellent. La base est hors service. Les systèmes auxiliaires sont opérationnels et peuvent encore être utilisés pour rétablir l'alimentation. Il y a une possibilité moyenne de trouver des ressources. Intéressant. J'y envoie mon vaisseau scientifique. On le voit y aller. C'est assez rapide. Surtout en avance rapide, lol. Cool. Et là, on a résumé des renseignements. La base est hors service. Encore une fois, nous avons atteint la base de l'ONU en utilisant les coordonnées fournies. Elle est abandonnée et dépressurisée. Mais le système de surveillance vidéo est toujours fonctionnel. Exploiter une faille de sécurité. L'équipe trouvera un moyen d'accéder aux systèmes centraux et de récupérer toutes les données scientifiques confidentielles.
démanteler le camp, préparer les ressources utiles pour extraction. Non, on va exploiter la faille de sécurité. Ça, c'est le temps nécessaire, hein, ouais. Un jour. Ok, excellent, c'est un cycle, j'imagine que ça prendra. On est sur RuneScape, là. Xel, tu peux faire point d'exclamation jeu sur mon live à tout moment et tu auras toujours une description du jeu en temps réel. Ça va chercher la description Steam pour toi. Membre d'équipage sans abri, oula, population. Même si le tutoriel ne me l'a pas encore demandé. C'est parce que ça ne comptabilise pas ma bouffe, là, regardez. Je sais pas s'il y a quelque chose que je ne fais pas bien ou si je rencontre un petit souci. Mais... mon arbre technologique ici, oh, nous y voilà, on peut déjà lancer des recherches alors que le tuto n'y est pas. Plateforme de lancement de sondes pour explorer les systèmes, y découvrir des ressources et des anomalies permettant de mettre à jour les connaissances scientifiques. Ça se VA pour aller réparer la coque du vaisseau et tout à l'extérieur. Go, on peut rechercher ça par exemple. Ouais. Notre team scientifique a fini sa tâche. Nous avons piraté les principaux systèmes informatiques comme vous l'avez ordonné et avons extrait plusieurs documents de recherche et ensemble de données. Ah, nous avons eu donc 10 de données, ça sert justement à la recherche scientifique comme je viens de le débloquer. Et 2 cycles de plus pour démanteler le camp. Excellent, allons-y. Ah mais ça a fini aussi le tutoriel de la bouffe les amis. Le tutoriel des réfectoires. Excellent, ça vient de le comptabiliser là. Notification ici, cool. Arrêter de récolter, n'est pas connecté à un entrepôt d'alliage. Si, si. Ah, il faut choisir une des deux ressources. Certes, 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 certes. Donc, il nous faudrait un entrepôt pour l'alliage ici. Car celui-là est désormais réservé au polymère. On pourrait y switcher à nouveau en vrai à l'alliage. Parce qu'il n'y a plus de polymère là, pas que je sache. Si, ici, il y en a 10 de polymère. En attendant qu'on en fabrique. On pourrait faire une nouvelle route qui irait là. Twitch, qu'est-ce que vous en pensez du jeu jusqu'à maintenant? Je sais qu'il est trop tôt même pour avoir un avis en moins d'une heure. Mais je veux dire, les premières impressions, en ce qui me concerne, sont bonnes. Mais ça va de soi parce que j'avais déjà testé le jeu, je savais à quoi m'attendre après une précédente heure et demie de jeu. Maintenant, il faut voir ce que ça donne. Avancer, tu sais, le jeu plus avancé quand on aura débloqué le 80% restant de l'arche, qu'on aura exploré les systèmes solaires... voir comment les défis augmentent, comment la gestion se complique et tout. Mais ouais, comme je disais, les premières impressions pour l'instant. Salut Baron. Ouais, Dragor, c'est vrai que c'est beau graphiquement aussi. Résolver l'événement sur la Lune, pardon. C'est en cours encore. Hein, on peut envoyer des vaisseaux de minage, t'as vu, sur la planète. Collect. C'est bon ça, d'une planète à l'autre. Excellent. Ah mais moi aussi, hein, CMD, j'adore les jeux de gestion, donc je pourrais être biaisé, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas, au contraire. Les gens me font confiance pour les découvertes, les présentations de jeux et tout, alors j'essaie de prendre mon temps, de bien découvrir. Ah, bon, on va mettre celui-là en polymère finalement, parce que je viens de réaliser qu'il y avait ça à récolter. En plus de ça là-haut. Ils ont fini. Walaikum salam Red, comment ça va? Ils ont fini, je dois donc, excusez-moi, cliquer ici. Le camp a été démantelé. Chris, mon frère, quel plaisir de te revoir. Merci, 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 merci. Yes, fais-toi plaisir. Il dit, tu m'as régalé avec la vidéo Stalker Gamma, j'ai kiffé Anomaly, mais ce mode pack, trop hâte d'essayer, gros. Tu vas adorer, parce que Stalker Anomaly, je me suis buté, mais Stalker Anomaly Gamma, c'est encore mieux, parce que c'est 350 modes, t'as vu? Un autre niveau de grind. Je fais allusion à ma précédente vidéo YouTube, là, pour ceux qui l'ont pas vue, je viens juste de la publier. Merci Chris, pour les 39 mois de sub, le T2. Et Onevia, là, c'est le même Chris de Rust, en 2013, en 2014 plutôt. Vous vous en rappelez quand il me plaçait des mines, là, avec Valentin et Pyro devant chez moi? C'est lui, c'est lui, c'est lui. Ok, extraction de 30 alliages et 90 de recherche. Très, très cool. Là, le vaisseau, on peut lui demander de revenir, j'imagine. Wait. Je n'aurais pas dû... Si, si, c'est bon, excusez-moi, c'est le vaisseau cargo qui part récolter les ressources. Phew, tout va bien. On voit le vaisseau cargo faire l'aller-retour de notre arche à la Lune. Les points scientifiques, par contre, va-t-il les chercher? Je me demande...
Non, je ne les vois pas dans les ressources qu'ils récoltent. Donc je me dis, c'est probablement le vaisseau scientifique qui doit revenir avec. Chou! Ah voilà, il est en train de le récolter. Toutes mes excuses, il faut lui laisser un petit moment parce que sur place, il extrait les données scientifiques que nous obtenons grâce au démantèlement du camp sur la Lune là. Collecter les points de science. Bah oui, en plus c'est mon objectif actuel, c'est tout en haut à gauche. C'est subtil, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Des fois, c'est moi qui vais trop vite pour le jeu. Le laboratoire, puis-je le mettre en pause pour l'instant parce que je suis allé trop vite et ça prend trop d'employés. Ne sachant même pas combien j'en ai, 79. Travailleurs 79. Tout le monde est occupé, t'as vu, tout le monde a un poste. Alors j'ai vite mis en pause ce centre de recherche pour l'instant, car ces 30 employés, c'est énorme. J'ai besoin des employés sur les autres postes. Ici, on a un entrepôt d'alliage qui est rempli. Voyons voir quels autres bâtiments on pourrait pré-shoot aussi pendant qu'on est en train de ramasser les points de science. Une infirmerie, bien sûr. Nourriture, infirmerie. Le reste, on va le débloquer. Quartier d'équipage. Ah bah oui, c'est des sans-abri. Moi, j'avais construit ces routes-là pour eux, excusez-moi. À la base, 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 je vais laisser de l'espace pour une route ici. Transmission incoming. On fait des maisons, j'avais oublié qu'ils n'avaient pas de maison. Salut Edgo, quelle est la transmission? Greetings administrator, I'm Dr. Abhinav Muchi, Tolo's expert in compartmentalism and medicine, okay. And a member of the Marduk Council. I'm glad to finally meet you, even in this digital manner. Your psychological test results were quite impressive. My friend and colleague Philip Stanford couldn't be here today. Il me trouve psychologiquement fort. Introducing you to the final stages of the Vol engine integration. Before we get into that, however, we would like you to complete the testing station's exploration and enhancement capabilities. You'll then be able to begin researching the EVA airlock and assess its compatibility with the Tycoon's core systems. I hope that the work of our team will ensure that you're equipped to deal with most situations you encounter up there. Before I leave you, Stanford would like me to remind you that space is a far less fanciful and forgiving environment than science fiction would have us believe. C'est bien moins accueillant que la science-fiction, l'espace. Il dit salut Smokit. Le pâtissier geek, salut mon cher. Dis-moi, quelle est ta pâtisserie préférée? À manger et à préparer. Première question qui me vient à l'esprit là. Bienvenue sur la chaîne, ça dit que c'est la première fois. J'adore la pâtisserie, c'est pour ça que je te demande. Ça va super, merci Smokit. Fin de la transmission. Technologie et amélioration, ça nous parle donc du centre de recherche de l'arbre technologique. Et il y aura aussi des améliorations pour notre vaisseau. Rechercher SAS EVA. Ah bah justement, c'est ce que j'avais prévu de rechercher tout à l'heure. Pas comme si j'avais 12 000 options, c'était soit ça, soit la plateforme de lancement de sonde. Rechercher, oui monsieur. Rallumer le bâtiment. T'as vu ça, j'ai skippé une étape du tutoriel, c'était sûrement de construire le centre de recherche. Et là nous avons... Ah mais en plus de ça, le laboratoire scientifique produit... Un de recherche tous les 30 cycles. C'est lent quand même, 30 cycles. Hein. Mais bon. Au moins, vous avez vu, on peut en récolter en partant en expédition et tout. D'ailleurs, on pourrait sûrement envoyer notre vaisseau scientifique. En expédition. Oui. Excellent. Excellent, excellent. T'as vu tous ces bâtiments, ouais. Ça nous a consommé pas mal d'alliage que l'on avait justement à consommer. Quinze membres, j'ai pas assez d'habitation donc. Excusez-moi. C'est plutôt là que je voulais aller. Oups, la dernière c'était pas volontaire, on va la supprimer. Pause. Oui, détruire. Voilà. Cool. Salut Brozef, il est très très cool ce jeu. T'entends Doom? T'entends Doom ou Doomé? Comment on dit chef? Merci pour les 5 mois de sub, au bout d'un moment faudrait que je sache là. Merci beaucoup pour le resub, welcome back. Un Banished, ouais c'est une bonne référence. Banished c'est la référence de tout le monde quand il s'agit de jeux de gestion. Mais il y en a des dizaines de jeux de gestion qu'on aime. SAS, EVA, c'est pourquoi EVA? C'est l'abréviation de quoi? Ou est-ce que c'est juste évacuation? Je sais plus ce que ça veut dire. Répare jusqu'à 48 unités de coque par cycle pour 4 unités d'alliage. Waouh, c'est titanesque ce truc. Et il doit être de ce bord-là. Ouf.
Bah ouf non là, faudrait juste faire de la place ici. Ouais, c'est ça qu'il faut. Faut faire de la place là. Let's go. On n'a pas d'espace, ça dit, pour le stockage. Je vais pas les... J'allais dire je les place n'importe comment pour l'instant, mais non, parce que c'est une mauvaise idée. Faut les placer un minimum comme il faut. Et donc on veut de l'alliage ici. On veut de l'alliage là aussi, juste pour commencer à vider. Celle-là, puis-je la mettre en priorité? Non, mais de toute façon, elle est vidée. Celle-là aussi, il faudrait me la vider, s'il vous plaît. Entrepôt d'alliage, entrepôt d'alliage et entrepôt d'alliage. Nouvelle requête. Où ça donc? Ça c'est bon. Technologie déverrouillée. D'ailleurs, les recherches, maintenant que j'y pense. Je vais lancer la plateforme de lancement de sonde. Juste comme ça, ça tourne. Voyez-vous une loupe quelque part? C'est ça les requêtes, hein. Merci Sankel pour l'abonnement. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Extra Vehicular Activity. Merci, c'est ça que ça veut dire. EVA. Okami, no kami. Merci d'avoir renouvelé ton abonnement. Elle est là, l'activité. Administrateur, les rapports concernant les protocoles Barjaville-Klein d'optimisation de l'activité à bord du Tycoon nous indiquent que nos membres d'équipage ont trop de travail et sont en surmenage. Il serait bien ou bon d'accueillir plus de membres d'équipage ou de diminuer le nombre de lieux de travail actifs. Nous demanderons à l'Ursanabi de nous envoyer du personnel supplémentaire. Prêt pour l'extraction derrière ma grosse tête, 20. Accueillez les travailleurs de l'Ursanabi à bord du Tycoon. Cool, donne. On est en orbite autour de la Terre, ils nous les envoient. Ça fait du bien en vrai. Viennent-ils? Physiquement, genre on les voit bouger ou pas du tout? Ce serait trop bien une animation. Ah mais ils sont là déjà, regarde. Il n'y a pas d'animation pour leur arrivée. Mais c'est bien. Oh, il y a le vaisseau ici, je pense, qui arrive. On les a ratés, oui. Il y a l'animation à l'intérieur du vaisseau. Excellent. Videz-moi ça, par pitié. Ah, c'était pas sélectionné, c'est pour ça. C'est bon. Ensuite, il faudrait récolter ça aussi. Allez, allez, allez. Oh là là. On n'a pas de place. Bah, mettez de l'alliage ici, go. On n'a pas de place dans les trois... pas ateliers, mais les trois entrepôts d'alliage sont remplis. C'est pas grave, on l'utilisera pour justement réparer le Tycoon en cas de besoin, tout cet alliage. C'est en train de le remplir, mais d'une autre réserve. Celle-là, il en reste un. Pitié. Ah, c'est full. Ok, bah alors, ici, on met de l'alliage, vite fait. Juste 2 secondes. C'est en train de vider quoi? Donc, toutes celles-là, en fait. Ah. Je peux leur dire d'arrêter de récolter tout le reste, hein. Je te jure, parce que sinon, ils vont jamais récolter celle que je leur ai demandé en bas à gauche. Et c'est celle prioritaire ici, là. C'est bon. Cool, on peut remettre de la nourriture ici. J'avais besoin d'un petit surplus de stockage d'alliage. Et comment puis-je procéder pour la démolition des routes? Comme ça. Ensuite, dans espace à nouveau... Le sas d'activité extravéhiculaire est maintenant construit. Voilà. Wow, il est énorme. Regardez le nombre de pods qu'il a. C'est stylé, hein. C'est des pods pour les astronautes qui vont dehors pour qu'ils puissent opérer sur la coque. La coque du Tycoon. Fred, bon joueur. Comment ça va? Ah, c'est bien Doumé. C'est ce que j'avais dit en plus au début, mais je disais ça juste par instinct, hein, j'avais deviné. Je me disais, imagine c'est Doom, mais moi je l'appelle Doomé, j'assume. Je me préfère de demander. Tu sais que je viens de réaliser qu'en bas à gauche, la caméra, quand je tourne, elle nous affiche les portions. Il y en a donc 6, les portions du Tycoon. C'est stylé. Doomé, Doomé. Il est en train d'être construit. Cheers. Mighty plus Anax. Nouvelle acquisition là, j'avais la Mighty plus. Bonne question Georges, est-ce qu'on peut se faire attaquer vu que ça parle d'intégrité de la coque et tout là? Académie des frontières spatiales, risque du métier. Brèche dans la coque, incendie, planète hostile, c'est à vous de gérer les risques.
Ouais, peut-être que c'est plus les atmosphères des planètes, les endroits qu'on va parcourir où il y aura des risques d'incendie et tout là. Je ne pense pas, en tout cas, je ne suis vraiment, vraiment pas renseigné sur la question. Est-ce que ça m'étonnerait qu'il y ait du combat en temps réel et tout, des batailles là. L'énergie, tout l'espace pour les panneaux solaires ici. Ouais. Panneau solaire, fin de la transmission. Ça, c'est vrai que c'est vraiment stylé, je m'en souviens. En fait, la démo du jeu s'arrêtait pas mal là où je suis en train d'arriver. C'est tu prépares tout en setup pour le saut orbital, mon Stéphane. Handy Gamer, mon frère de Lyon, merci. Bon rétablissement, ça sort de l'hôpital. Ben, propre. Bien content que t'en sois sorti, Steph. Fais attention à toi, mon gars. Un prompt et un bon rétablissement. On est sur Ixion depuis une petite heure pour la découverte et la présentation du jeu. Et ça vient de me dire de construire les panneaux solaires. Terminer la construction du moteur Vol via le panneau de construction dans la vue externe. Oui, ici, c'est pas les mêmes constructions. C'est vrai, regardez. Toutes les expansions que l'on va pouvoir rajouter. Panneaux solaires de taille moyenne, 4, 5, 6. Différents designs, en fait, de panneaux solaires. Ça aussi, c'est des panneaux solaires? Ouais, c'est à d'autres endroits. Et ça, c'est moteur et système externe. Le moteur EKP pour se déplacer dans notre système solaire. Et après, il nous faudra le moteur Vol pour aller dans des destinations très éloignées. Et ça, ce sera notre prochain épisode, justement. Nous allons continuer de jouer un petit peu en live, même un petit peu beaucoup, quelques heures en live. Et j'enregistrerai probablement un deuxième épisode pour YouTube. Je vous publierai si vous êtes chaud pour un autre épisode, vous me direz dans les commentaires et tout. En tout cas, je me devais de vous présenter le jeu, de vous le montrer, de vous présenter les premiers pas. On va jouer un petit peu dès qu'on aura de quoi faire le saut. Je commencerai à enregistrer un potentiel épisode de Odre. Merci d'avoir renouvelé l'abonnement. Welcome back. En parlant de deux, le deuxième mois d'abonnement. Merci Odre. Puis ouais, merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. On se revoit demain pour la prochaine vidéo. Et on se revoit bientôt, peut-être pour un autre épisode de Ixion. Je vous aime. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et à très bientôt. Nebulus et tout le stream, fin de Videus. Ciao tout le monde. Peace.